Et bienvenue pour l'épisode 31 de la table clan mineur de la campagne L'ombre de l'histoire. Vous pouvez vous connecter à Rollisti, ceux qui ne l'ont pas fait. Ah ah ah. J'arrive. Et quelqu'un va faire le résumé des épisodes précédents. Enfin, deux épisodes précédents plutôt. Bon, sachant que aujourd'hui ça va être épisode cool, je pense. Mais... il ne va pas y avoir de... comment dire... c'est vrai, on risque pas de mourir. De grandes révélations, de... non, non, c'est... oh, c'est ça sera pas un épisode filler, mais c'est pas loin, quoi. Dû au fait que j'étais en vacances depuis un petit moment, et que bon, j'ai pas trop eu le temps de... focaliser là-dessus, mais... mais bon. Je me suis envoyé un mail cet après-midi, je me suis dit tiens, il faut que je pense à ça. Mais bon. Si on les fait faire et que un résultat assez idée, ça va être. C'est bon. Alors, qui veut faire le résumé? Moi, je l'écris, comme d'hab. Je vais essayer, mais. Pas encore trop dedans là. Ah, surtout que ouais, t'étais bien. T'étais bien fait ouais, la dernière fois, donc ça te fera peut-être alors, pas je suis mal. Toujours, t'inquiète pas. C'est qui en ce moment. Du coup, on s'était rendu. Qu'on avait suivi le chemin du ravitaillement avec Yoake. C'était bien là qu'on en était, oui, c'est ça. C'est ça. Donc on avait été accepté sur un chariot et on était arrivé dans la ville du ravitaillement. Une fois sur place, j'étais partie avec les deux Yojimbo pour faire exploser la poudre pendant que Yoake essayait d'envoyer les Ronins sur d'autres places fortes pour qu'ils laissent les lions tranquilles et qu'ils gardent les terres. Donc les Yojimbo se sont frités avec quelques ronins pendant que je faisais exploser les sorts de les stocks de poudre avec un sort de feu. On a fait la même chose sur les chariots, les poneys, on va pas se demander ce qu'ils sont devenus. Ensuite on s'est barré. On a retrouvé Kikyo dans un petit village. De son côté, elle était... qu'est-ce que t'avais fait déjà? Ikyo, t'as fait quoi? Au cœur de la baston. Avec la Kitsu. Ah oui, oui, bah t'avais fait... Likoma. T'avais aidé Likoma à faire des actions contre les lions, et puis t'étais reparti parce qu'elle t'avait dit que globalement, il gérait la situation. Et le Daimyo t'avait dit ça aussi. Contre les Ronin, les actions. Parce oui, contre Likoma les Ronin. Pardon. Je t'ai dit que je ne suis pas encore très très réveillée. Je suis fatiguée. On a décidé ensuite de se rendre au Hall des Ancêtres, chez les Matsu, parce que comme ça on pourra demander conseil aux ancêtres et peut-être faire la mission que nous a donné le carreau, qui est de trouver un héritier digne de ce nom pour la famille Yakodo. Comme Daimyo de la famille Yakodo. Alors... bon. Il vous a pas donné la mission. Hein. Non, il a pas donné la mission, mais il a dit que ce serait bien qu'on le fasse. Oui. Mmh. Non, plus, on a potentiellement trouvé un sabre. Il a pas dit que ce serait bien que vous le fassiez. On est dans la merde et du coup. Il a dit que voilà. Ça serait bien si ça arrivait. Ouais. Voilà. Il a pas dit que ça serait bien si vous le fassiez. Oui, vous le fassiez, mais. Bon, il a sous-entendu. Sur le chemin, on a rencontré un samouraï qui s'était fait bastonner par à peu près tout le monde sur son passage, qu'il soit lion ou autre. Un samouraï du clan du lion qui était allé récupérer un super katana chez les cailloux. Et globalement, il a pris peur, Kikyo l'a poursuivi, il l'a ramené, on lui a parlé. On a finalement décidé d'aller au... De l'aider dans sa mission de retrouver le propriétaire de ce katana, sachant que ce katana a
avait appartenu à quelqu'un, à un Akodo qui a disparu et qui est probablement mort. Il l'a retrouvé dans les terres crabes. Et après, oui, il l'a retrouvé chez les cailloux, c'est ce que je viens de dire. Et après, il a cherché l'héritier, mais qu'a priori est mort parce que les tombeaux enquêtent dessus. Ouais. Et donc, du coup, nous étions repartis vers le hall des ancêtres, ce qui nous semblait le plus pertinent pour trouver le propriétaire d'un katana ancestral. Pas n'importe quel tombeau, hein. Celui que vous avez connu. Celui qu'on a croisé, ouais. Et puis, globalement, sur le chemin, on avait rencontré des samouraïs ronin, sans doute. Peut-être lion caché, mais ça, je sais pas. Ce sont des mauvaises langues. Qui cherchaient, justement, le jeune lion que nous avions croisé. Donc, on les a envoyés sur une fausse piste et on est reparti. Après, et j'ai prévenu le lion aussi que... Ces poursuivants étaient. Alors du coup la question c'est qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? On va continuer. Bah on continue vers le hall des ancêtres Matsu de toute façon. On fait ça ou on se dirige vers les libellules pour savoir ce qui s'est passé avec l'héritier? Le hall des ancêtres c'est un bon endroit aussi pour savoir ça. Ouais ça permettra du moins si on arrive à demander aux ancêtres ça. Pour un truc de cette importance ça me paraît tout à fait pertinent. Ouais c'est en tout cas en tant que Shugenja ça me paraît tout à fait pertinent. Ouais c'est pas déconnant ouais. Oui alors les ancêtres vous savez pas trop ce que c'est hein. Bah non mais du coup peut-être que c'est bien dans le doute. C'est un endroit où on prie ses ancêtres si je dis pas de voilà bêtises. Moi, oui. J'ai compris ça en tout cas. Ça veut pas dire qu'ils entendent, hein. Ah bah, pour moi, les ancêtres entendent partout. De toute façon, ils sont en Yomi. Non, ça veut pas dire qu'ils répondent. C'est autre chose, on verra bien. Bah, t'as pas la certitude que l'âme de ton ancêtre, elle est au bon endroit, si tu veux, donc... il y a peut-être d'autres choses à faire que t'écouter, quoi, mais... Dans mon cas, c'est encore plus compliqué, mais bon, bref. Enfin, disons que... Il est peut-être en train de combattre pour Tengoku, effectivement. Donc, comme vous le sentez, c'est Kikyo qui a de l'art de la guerre et c'est Kokoe qui est Shugenja. Donc, Moi, je m'y rendrais bien, surtout que ça, globalement, ça ne nous fait pas un si gros détour. De toute façon, c'est loin, les tombeaux. Vous êtes a priori à mi-chemin, là, entre les deux. Ouais, c'est pour ça. À peu près. Ah, ouais. J'ai envie d'y aller. En plus, tactiquement, ça nous met au frais quelques jours. Quoi. Tant qu'on fasse ça, on s'est oublié un peu. Quoi. Si on va chez les libellules? Non, au hall des ancêtres. Au hall des ancêtres. Ouais, par contre, on est en plein territoire Matsu. Quoi. Bon, on n'est pas ennemi avec les Matsu. J'ai un Mon Kakita, quoi. Ah oh bah... On a tous oui, été bah, fous. Putain... Personne n'est parfait, comme on dit. Voilà, enlève-le. Je sais pas, tu veux... Finalement, tu veux pas y aller? C'est toi qui avais donné cette idée. Ah bah, moi, de toute façon, je vous suis. Hein. Moi, j'avais donné l'idée en tant que joueur, pas trop en tant que perso. Donc, en tant que perso, là, elle est un peu perdue pour savoir ce qu'elle fait dans le clan du lion. Hein, donc, Ah, tu l'avais dit avec ton perso, donc moi, j'avais compris que c'était ton perso. Bah, Kakita a le droit de dire des... comment dire... des idées qui sont peut-être cohérentes tactiquement, mais qui sont pas forcément réfléchies, plaisantes à vivre. Plus. Ah oui, c'est oui. Et elle peut aussi vouloir prier ses ancêtres, en fait, ce serait logique, on est quand même des samouraïs. Qu'est-ce qui s'est passé avec nos ancêtres? Alors, j'essaie de trouver là. Non. Non mais bah, pour le hall des ancêtres, hein, de toute façon, hein, vous êtes, du moins vous êtes toutes les deux pour, donc. Et moi, je suis personnellement pas contre, donc. J'essaie de regarder un truc avant, voir si j'avais noté cette idée ou pas, mais je crois pas. C'est pas ça, c'est pas ça. Non, bon, bah tant pis. Ok, route vers le hall des ancêtres. Eh ben, c'est parti. Alors, je vais juste me permettre de générer quelques noms, histoire d'avoir un peu d'avance. Mais allez-y, hein, parlez entre vous. Hein. Essayez de vous convaincre d'aller au hall des ancêtres.
Il n'y a plus rien à convaincre, en fait. Ouais, mais vous pouvez le jouer. Ah, ça, c'est... Ça, par contre, c'est possible. Mais non, ça, j'ai bientôt fini. Mais... Ouais, je me suis fait quelques noms. Histoire de... Coco et Sama, vous savez ce qui... Enfin, ce qui nous attend réellement au Hall des Ancêtres Je l'ignore, mais le Hall des Ancêtres ne peut qu'être un endroit bien. Mon clan... énormément les ancêtres. J'aimerais voir cet endroit. Nous verrons si nous sommes bien accueillis par les matins. Nous y allons en pèlerinage pour spirituel. Ils ne pourront pas nous l'interdire. Nous l'interdire, non. Nous accueillir mal, et bien nous partirons. Il y aura toujours temps de partir vers les terres des tombeaux. Avez-vous une idée, après le hall des ancêtres, si on n'a pas d'informations, où nous pouvons faire nos recherches dans le clan des libellules? Nous pourrions essayer de retrouver le tombeau que nous avions rencontré. Peut-être en a-t-il appris plus sur cette affaire. Peut-être. C'est vrai qu'il enquêtait sur la mort, sur un meurtre. Donc, Là, nous pourrons demander à le rencontrer chez les tombeaux. Ok, alors je vais vous déplacer sur la carte, parce que du coup, vous allez faire pas mal de kilomètres, du coup. Je suppose que vous allez de ville en ville, hein, vous suivez les routes. La route impériale, hein, donc comme ça, on est plus ou moins tranquille. Il y a des auberges régulièrement. Et ouais. Des insultes régulièrement, mais c'est beaucoup plus sûr. En plus, les routes impériales sont censées être des normalement non alignées. Donc... Du coup, la route impériale va vous mener jusqu'à Shiromatsu. Oui. Et de Shiromatsu, bah, vous pourrez partir à l'Hall des Ancêtres. Yep. Et du coup, tu n'es pas très loin du territoire du clan de la grue. Et je suis pas très loin des terres d'Aidoji, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ouais. Parce qu'il y a Shiro d'Aidoji qui est en face de Shiromatsu. Effectivement. Quelle distance de la contrée où est sa mère? Loin, par contre. Ou loin. Loin, loin. D'accord. Ouais, très loin. Ouais. Donc, elle est au sud de Kyudan Doji, donc assez loin, ouais. Ouais. Non, l'idée était trop pour que je envoie un message. En nombre de kilomètres. Exactement. C'est trop loin par rapport à tes messages. Je pense que si t'es rang 1. Oui, c'est trop loin. C'est 150 kilomètres, c'est pas énorme. Hein. C'est 150 kilomètres par rang, c'est ça? Oui. Par en décalage. Mais comme elle a pas son rang 2. C'est ça. Son école. Elle a pris artiste Kakita, donc artiste Shiba. Shiba. Donc automatiquement, t'as pas ton rang 2 de Shugi. Ouais. J'avoue, avec le rang 2, ça serait jouable, je pense. Mais ça ferait 300 km. Parce que 300 bornes à vol d'oiseau, ça commence ouais, à faire. Ouais, ça. C'est pas grave, hein, s'il faut envoyer un message, on l'enverra par les voies. Par contre, peut-être que tu connais d'autres grues qui sont dans le terre des Ogis. Je sais pas. Hein, mais... Est-ce que je connaîtrais des grues dans les terres d'Aidoji? Je pense pas, je suis pas beaucoup sorti. Mais c'est surtout que tant que moi je les connais pas, ça sert à rien que tu les connaisses pour mon truc. Ah mais c'est quand je disais tu connais, je parlais à Komori, ouais. Mais on avait peut-être rencontré... après, c'est pas... Moi, j'ai pas une certitude, hein. je dis c'est une hypothèse, je sais pas. Non, voilà. J'en connais pas. Et donc... Bah, j'avais rencontré celle qu'on a rencontrée chez ma cousine. Avant, j'avais jamais mis les pieds chez les grues. Ouais, donc Sakaro. Ni hors de l'île, d'ailleurs. Dojirina et Sakaro, mais voilà, quoi. Bah, tu connais peut-être... Par contre, Kakita, tu connais... T'as peut-être le nom des doji qui sont issus de la famille d'Oda Sensei, peut-être. Ça, oui, mais... Tu les connais peut-être pas personnellement, mais... Mais disons, je vais avoir les noms. Si on veut envoyer un message à Shiro d'Aidoji, on pourra. Oui, mais autant l'envoyer directement chez ta mère, le message, dans ce cas-là. Si c'est un message qu'on envoie. Bah, si on a besoin de renfort, on peut envoyer un message à Shiro d'Aidoji. Ah, pour avoir des renforts, oui, mais là, on n'a pas vraiment besoin de renfort. Je suis pas sûr que ma mère apprécie beaucoup de me savoir à Shiromatsu. Bien, oublions de lui dire. De toute façon, nous sommes en vue de Shiromatsu, nous verrons bien comment nous sommes accueillis. Les lions sont honorables, il n'y a pas de raison qu'ils... Oui, les lions sont honorables, après. Shiromatsu n'est pas réputé pour être un lieu très accueillant. C'est une forteresse, c'est normal.
Il y en a des plus accueillantes que ah d'autres. Bah c'est la forteresse de l'Empire, quoi. Ouais, c'est la plus grosse c'est, forteresse. C'est, elle est immense, quoi. Vous allez attirer un peu des regards, un peu surpris de voir quelqu'un avec un monde Gakita dans la ville. Tu m'étonnes. Vous allez être reçu à l'entrée par des samouraïs Matsu qui vont vous demander un petit peu ce que vous faites là. Nos papiers. Samouraï Samba, vos papiers. Et, et pareil, ça vous donne un peu la même impression que vous aviez vécu dans l'autre forteresse. Bon, l'autre forteresse était quand même beaucoup plus petite, mais elle était assez vide. Là, celle-là, elle est immense. Et pareil, les armées sont parties. Donc, il y a encore quand même une activité un peu plus florissante, puisqu'il y a encore le dojo qui forme des jeunes et tout. Donc, il y a encore pas mal d'activités, mais ça reste quand même assez léger en termes de troupes. En gros, si on se perd dans la forteresse, il y a moyen de mourir de faim, quoi. Oui. Sans croiser personne. Voilà. Et du coup, Samurai Sama, que Matsu, faites-vous Matsu Sama, je t'en ai pas nos papiers. Hein. Nous sommes en pèlerinage pour rejoindre le hall des ancêtres. Très bien. Je vous présente ma cousine Komori Kokoe-sama et du moins une amie Tsurushi Kikyo-sama ainsi que nos deux Yojimbo. Souhaitez-vous dormir ici aujourd'hui ou cette nuit ou préférez-vous? C'est un peu à vous de décider, je vais dire. Je vous laisse la main là-dessus. Est-ce que vous avez envie que ça soit l'heure pour que vous restiez là ou est-ce que Est-ce que nous pouvons atteindre le hall des ancêtres avant la nuit, Matsusama? Si vous vous dépêchez, ça peut être possible. Dans ce cas-là, nous allons peut-être nous rendre sur place au plus vite. Ouais, nous ne voudrions pas vous déranger. Je suppose que nous pourrons trouver à nous loger là-bas. Il y a des auberges disponibles sur le trajet, mais ouais, et à proximité. Mais ah, parfait. Après, si votre daimyo veut qu'on se présente à lui, bien sûr, nous le ferons. Non, je transmettrai les messages. Si il souhaite le faire, nous viendrons vous chercher au hall des ancêtres. Vous savez où nous nous rendons, vous nous trouverez sans mal. Évidemment. De toute façon, nous resterons sur les routes impériales. Et je m'incline. Merci Matsusama pour vos renseignements. Ouais, il va vous accompagner en fait jusqu'à la porte qui vous mène vers la route qui va bien. Ok. Histoire 2. De ne pas laisser une grue déambuler dans la forteresse. Je suis avenante en l'occurrence. Matsusama, merci de nous avoir accompagnés. Bah, il voudrait pas que les jeunes pensent que c'est un sac d'entraînement, en fait. Ouais. Déguisé en Kakita. Peut-être un poil stressé, mais avenante, en l'occurrence. Donc, du coup, vous sortez de Shiromatsu pour vous diriger vers le Hall des Ancêtres. Faut que je vois si j'ai une illustration du Hall des Ancêtres qui traîne quelque part. Parce que je sais qu'il y en a, mais... Je cherche à... Est-ce qu'il y en a des biens? Il y a la carte. Celle-ci. Je l'envoie sur Discord si tu veux. Oui. Ouais, j'en ai. Bon, de toute façon, si tu as sur le wiki, il y en a deux. Hein, donc... Ouais, bah j'ai. J'ai les deux sous les yeux, je pense, mais. Ah, celle-là, elle est pas mal. Ouais, c'est celle-là que je. Est sympa, on va pouvoir la mettre. Oh, elle est pas. Tatatatac, fichier, nouveau, non, open, image online, et voilà. Ça vous l'avez, je vais ouvrir un petit peu. Ah, c'est pas l'eau, marche pas. Ah, si, j'ai compris. Ok.
Donc deux secondes, hein, je montre ça aux spectateurs, histoire 2. Donc, immeuble classieux pour ce que les lions peuvent faire de plus classieux, on va dire. C'est pas très très habituel pour eux. Des lions partout, des grandes statues de lions qui protègent le bâtiment. Vous commencez à arpenter des escaliers, vous montez le premier niveau, vous montez le deuxième niveau, vous montez le troisième niveau, et là vous arrivez sur une petite esplanade qui mène à l'entrée du bâtiment. Il y a énormément de samouraïs du clan du lion. Enfin, énormément. Comment dire ? Il y en a, en tout cas. Et ils ont un peu. Alors, il y a évidemment des bushis qui gardent le lieu, mais il y a des gens qui sont en pèlerinage aussi. Il y a des Shugenja qui prient et qui protègent le lieu. Les gens vous regardent. Il n'y a que des lions ou il y a des samouraïs d'autres clans ? Je vais dire qu'il n'y a que des lions pour le. En tout cas, visiblement. Alors, vous avez quand même l'occasion de voir à travers la pièce, enfin à travers le bâtiment, de ce que vous pouvez vous entendre à l'intérieur, en tout cas. Donc, vous voyez en gros un bâtiment très très large. Et il y a une grande porte devant vous, et vous voyez que le bâtiment contient en fait des urnes avec probablement les cendres de. Dans cet honorable, et parfois il y a des armures ou des objets qui ont appartenu à ces illustres ancêtres. Évidemment, la grande majorité de ce que vous voyez sont des lions. Vous commencez à avancer malgré les regards qui se pointent vers vous. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier ? Est-ce que vous allez vers quelqu'un ou est-ce que pour... Bah, moi, je me rends vers le garde à l'entrée. Ouais, bon, j'aurais cherché un moine éventuellement, quoi. Ouais, un moine. Ah oui, un moine, c'est encore mieux. Qui a l'air de gérer le lieu, quoi. Vous avez une jeune samouraï du une jeune samouraï Kitsu qui est là. Mais du coup, c'est une samouraï, c'est pas un moine, quoi. Non, mais c'est une Shugenja, visiblement. Ah, au vu de son. Je vais m'approcher pour lui parler. Samouraï Sama, bienvenue. Nous nous rendions au hall des ancêtres pour prier. Et y a-t-il des convenances à respecter ici ? Je dois avouer que la remarque est la démarche est assez rare. Avez-vous des liens de parenté avec le clan du lion ? Non, je souhaitais simplement honorer les ancêtres. C'est là une des vocations de mon clan également, tout comme de ma famille également, tout comme la vôtre. Elle est un peu. Vous la voyez qu'elle se questionne si est-ce que le règlement autorise ça ou pas. Enfin, il y a un petit peu une espèce de doute juridique dans sa tête. Samouraï Sama. Veuillez me suivre, je vais vous accompagner et je m'assurerai que vous ne commettiez aucun impair vis-à-vis du hall. Je vous remercie, Oussama. Alors elle commence à un peu décrire le hall et vous faire un peu une visite touristique. Le hall a été fondé en nanana, il y a 800 000 urnes, etc., etc. Enfin, elle vous donne des chiffres, elle vous en met plein la vue. Justement, sur le chemin, je demanderai les noms des ancêtres lions. J'essaierai de repérer celui que cherchait le samouraï que nous avions trouvé. Alors,
Tu vas essayer de faire ça, mais tu vas être gêné par un truc qui va s'appeler une main qui te saisit et qui t'envoie à 4 mètres dehors en bas non, des escaliers. Je pose des questions. C'est ce qui t'arrive. C'est ce qui t'arrive. D'accord. Et voilà, vous les deux autres, vous comprenez pas parce que vous avez bien senti que votre ami s'est fait dégager comme une malpropre. Dès qu'elle a parlé du gars, quoi, en fait. Non, ça. Enfin, et vous voyez une Kitsu. C'est une Kitsu qui a fait ça. Pas celle avec qui vous parlez. Votre guide salue humblement la personne et la Kitsu qui a projeté votre ami Kokoe. Regarde deux. Matsu qui sont là en faction et elle leur dit si cette chose essaye de rentrer, tu es là. J'ai l'air perplexe. Elle va pas utiliser cette chose, elle va utiliser cette aberration. Voilà. Ah, quand même. Alors, c'est à tout le monde qui sait pas ce qui s'est passé. Alors, évidemment, les deux gardes qui étaient en train de tranquillement discuter. Voilà, ils se sont mis en position devant ta route, en fait, pour t'indiquer de pas avancer. Moi, je me suis arrêtée, j'ai l'air surprise. Kitsusama, nous n'avons pas le droit de prier nos ancêtres. Alors, tu parles à laquelle ? À celle qui vient de donner des ordres de tuer la personne, du moins cette aberration, si elle avance. Je m'incline, bien sûr. Elle se retourne, elle fait Kekita-sama. Je vous prie de continuer vos occupations. Ah. Et votre visite ici, la bienvenue. Comme votre amie, elle te regarde. Toruchi, hein. Mais oui. Voilà. Tu sens de l'irrespect par rapport au fait que t'es un clan mineur, mais dans les faits, bon, c'est pas trop la mort. Oui, mais je soutiens son regard poliment, puis, quoi. Et puis je lui dis juste que je suis venu prier mes ancêtres afin de méditer sur la situation de l'Empire. Puis, techniquement, toi, t'as peut-être une ascendance c'est vrai. Lyon. Moi, je me dis que c'est un problème de Shugenja entre ma cousine et la Kitsu, donc. C'est pas trop quoi dire, donc. Une fois que la Kitsu, la chef est partie, votre guide va vous demander à vous deux, Samurai-sama, connaissez-vous le problème qui lié à votre ami ? Je pensais que vous nous l'auriez expliqué. Je m'incline et Kitsu-sama, veuillez m'excuser, mais du moins. C'est ma cousine en l'occurrence et je ne sais pas trop du moins elle est Shugenja aussi, je ne sais pas si ça vient de ça et je n'ai pas peu de connaissances théologiques par rapport au Shugenja donc je ne sais pas. Je pour ma part je n'ai jamais vu de manquer de respect à quelconque ancêtre de... Clairement là, quand la Shugenja a parlé et a agi sur votre ami, elle avait une espèce d'aura magique autour d'elle, des yeux un peu modifiés, enfin elle avait activé des trucs magiques. Clairement, vous l'avez vu. Elle n'était pas naturellement... Elle a essayé de percevoir quelque chose. Alors, vous avez le droit d'aller lui en parler, hein, mais à votre cousine. Enfin, ta cousine. Mais... Oui. Pendant ce temps-là, je me serais humblement excusée devant les gardes. Pardonnez-moi, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas la permission d'entrer, mais je ne poserai pas de difficultés. Komori Kikyo-sama, nous allons aller prier. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Donc, Les gardes vous disent, on n'a aucune mauvaise intention. Hein. On fait juste appliquer notre devoir. On ne sait pas non plus pourquoi vous. Vous n'avez pas autorisation, mais nous devons respecter les règles. Oh, je comprends bien, et je ne compte en aucun cas causer un esclandre. J'aurais préféré avoir une explication, mais si Kitsu-sama ne souhaite pas m'en donner,
Je vais simplement attendre mes amis ici, si vous le permettez. Là, votre guide va se présenter quand même. Donc c'est Kitsu Yoko Toko. Kitsu Yoko Toko. Je vais vous le copier-coller. Et du coup, votre... mauvaise discussion. Hop. Et du coup, elle va vous dire que la personne qui a agi et qui a... mis à mal un peu les règles d'étiquette vis-à-vis d'un invité s'appelle Kitsu Sako. Et est une sensei de l'école... de l'école Kitsu, mais de l'école particulière des Kitsu qui est liée aux ancêtres. Avec, dont j'ai écrit le nom quelque part, dans le rappel des... Ouais, de l'école Sodan Senzo. Voilà. Ah oui, c'est Sodan Senzo, ouais. Voilà. J'ai pas le... J'ai la version du logiciel de notes sans mes modifications, alors je suis un peu perdu. Mais... c'est quoi le nom de la sensei? Je l'ai écrit. Ah, ok. Dans le chat. Ouais, Kitsu Sako. Kitsu Sako, ok. Bien, moi je pense que je suis la guide hein, de base. Ouais. Bah, votre guide va vous dire que. Elle pourra essayer d'obtenir une information sur le motif du refus de la visite de votre ami. Mais il lui faudra un peu de temps pour... Il n'y a pas de souci, Kitsu, Sama. Nous sommes juste curieux de connaître les femmes ou l'histoire. Elle vous demande où est-ce que vous logez. Samurai-sama, où est-ce que vous logez? Peut-être que je pourrais vous faire transmettre un message demain matin avant votre départ. Bah, nous comptons nous installer dans une auberge. Une auberge proche d'ici. Bon, elle vous donne le nom d'une auberge, elle vous dit que vous y êtes très bien traité. Et que bah, c'est là qu'elle écrira si elle trouve... la raison du pourquoi. Alors du coup, qu'est-ce que vous faites aux ancêtres? Moi, j'ai prié mon frère, en fait. Ok. Bah moi, je vais prier mon ancêtre, tout simplement. Alors, je demanderai des conseils, quand même, hein, pour... c'est pas quelque chose que je dois faire régulièrement, donc... Et ma cousine n'est pas là pour me donner des conseils, donc je vais demander des conseils à la Kitsu. Ouais, alors... J'avoue, je sais pas comment... Est-ce que tu lui dis à la sensei que tu vas prier ton frère Kakita? Ah oui. Parce que c'est censé être des ancêtres lions, mais je crois que le hall des ancêtres, c'est pas que des lions. Dans ce cas-là, j'ai... J'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas que des lions, mais c'est forcément des gens qui ont eu un impact chez le lion. Ouais. Et du coup... alors après, tu peux supposer qu'effectivement, un tel lieu soit proche... du royaume des ancêtres, et donc du coup tu puisses communiquer avec d'autres, mais c'est j'aurais tendance à croire que les lions pourraient prendre ça comme une insulte en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, dans ce cas-là, je vais prier tout. Je vais lui demander comment. Parce que tu peux demander à des lions de te donner conseil sur comment agir, comment gagner une partie de Go, voilà. Dans ce cas-là, je vais demander des conseils à la Kitsu pour qu'elle m'indique comment prier mes ancêtres qui pourraient être dans le clan du lion. Ok. Parce que de toute façon, on doit tous avoir des ancêtres. On a automatiquement tous des ancêtres du clan du lion. Ouais, c'est pas je vais pas prier Shinjo ici, ça va pas le faire. À moins qu'elle ait eu un impact dans le clan du lion, mais bon, ça m'étonnerait quoi. Ah bah si, toi t'en as, forcément. Toi t'en as forcément en tant que Tsurushi. Ah, ça c'est sûr. Bah oui. Autant, Yoake, on n'est pas sûr, mais alors toi. Donc, vous pouvez prier.
Moi, pendant ce temps-là, je vais essayer de m'installer pas très loin du temple, dans un endroit calme, et méditer pour essayer de voir si je perçois une différence par rapport aux autres lieux, si je me trouve plus proche de mes ancêtres. Ben voilà. De profiter des lieux, à la manière d'un Shugenja. Fais-moi un petit jet de méditation. Je vais mettre un point de vide. Ok. Donc, 27. Ça va. C'est pas mal. Bah, tu commences à méditer. Pas de problème. Tu te sens pas forcément très à l'aise dans ce lieu. Tu sens J'essaie de comprendre pourquoi, du coup. C'est pas tant. T'as pas l'impression que le lieu te rejette, mais t'as pas l'impression que t'es à ta place en fait. T'as un espèce de sentiment de tu serais plus utile ailleurs, quoi. Et enfin, si t'as d'autres questions, ouais. Je peux essayer de répondre, mais bon, évidemment, tu médites, donc ça va pas être forcément des réponses très claires. J'ai des impressions de ce genre-là que je cherchais justement. Ouais, c'est un peu ce côté-là. T'as plutôt l'impression qu'on t'appelle ailleurs que qu'ici, quoi. Et ici, ça a l'air d'être Enfin, d'un côté, le lieu te rejette pas forcément, mais t'as le sentiment qu'il a pas besoin de toi Et que j'ai pas besoin de lui. C'est que t'as pas besoin forcément de lui, effectivement. Que tu serais mieux ailleurs. Et ouais, c'est un peu cet aspect-là, quoi. J'essaie de percevoir où je serais mieux, en fait, du coup. Ah. J'aurais tendance à dire... Comment dire ? Partout, sauf ici. Ben en fait, tu t'es senti beaucoup plus à ta place quand tu aidais les sépultures dans la capitale pendant le coup d'État. D'accord. Que là maintenant, par exemple. Mmh. Voilà. Et tu vas être réveillé dans ta méditation par un bout de bois qui te tape dessus, doucement. Du coup, je sursaute. Voilà. Et tu as une... un individu qui vient te marcher dessus avec sa canne. Et je passe aux autres pour te laisser méditer sur ce cliffhanger de scène. Voilà. Décidément, le lion t'aime bien. Eh ben dis donc. Moi je pensais être mal reçu, mais a priori c'est toi qui es mal reçu. Eh oui. Alors, les deux autres, vous priez. Oui. Alors je n'ai aucune idée si j'ai un ancêtre lion, donc... Donc je prie en me demandant si je vais avoir une réponse, tout simplement. Eh ben, est-ce que vous avez méditation ? Non. Eh ben, vous allez me faire deux jets de vide, pur, et puis on va voir si... D'ailleurs, je regagne mon point de vide. Quel point de vide ? Ben, j'en ai dépensé un, simplement, pour faire le jet. Ou pas, si le vieux me marche dessus trop vite. Ah, par rapport à la méditation, j'aurais tendance à dire que pas forcément, puisque c'était pas ton but, mais de récupérer des points de vide. Non, pas spécialement, c'était plutôt de comprendre ma place. Mais de toute façon, vous inquiétez pas, on va pas avoir 10 000 GD, hein, vous allez dormir dans 10 minutes. Hein, mais... Moi, j'ai dépensé mon point de vide pour augmenter mon anneau de vide, mais pas pour prendre la compétence. Ok. 33. Pas si mal. Ça va. Ça va, franchement. Et du coup... 18 pour moi. Je crois que t'arrives même pas à méditer. Je crois que c'est 20 le ND de la méditation. Ouais. Ah, y a trop de bruit, c'est pour ça. Ouais, c'est l'idée. C'est l'idée. Y a trop de bruit, y a trop de belles choses qui t'entourent. Y a trop de lions qui méditent, c'est bruyant. Y a, et... y a des œuvres d'art dans le hall œuvre d'art, ouais, vite fait quoi. Enfin, c'est plutôt des belles armes ou des belles armures, des beaux trucs comme ça. Mais ça reste des œuvres d'art. Hein, en soi.
Ça dépend de la définition de Rollard. Mais, Oui. Non, mais la forge reste une compétence qui peut être considérée comme de l'art. Donc, Voilà. Mais il n'y a pas de peinture et de bouquet ou d'origami, quoi. Okay. Il y aurait peut-être un ancêtre qui aurait été forgeron ou artiste, on verra bien. Qu'est-ce que tu demandes à ton ancêtre? De me guider dans ces moments difficiles de l'Empire, tout simplement. Ok. Notamment parce que, du moins, dans ces moments difficiles, je trouve que un artiste n'a pas beaucoup d'utilité par rapport à d'autres, par rapport à un bushi ou. Donc c'est plutôt ce côté-là. Même si je peux toujours, quand il y a des moments plus calmes ou des blessés, les distraire par des chants, ça reste assez secondaire par rapport au nombre de samouraïs qui meurent à la guerre dans des moments de troupe. Donc, L'image qui va te venir, c'est des écrits. Et notamment, les 7 valeurs du Bushido. D'accord. Logique. Voilà. Okay. Avec, je dirais, l'honneur en premier. Attends, faut que je relise les. Faut que je les remette en tête pour voir un peu l'ordre, parce que ça pourrait être rigolo. Ça va pas forcément être le même que le tien, en fait. Oui. Non. Il va avoir la compassion en dernier, ça c'est sûr. Je vais voir le tien et je vais le remettre dans l'ordre. Alors, tu l'avais écrit quelque part? Oh, je suis pas sûr. Ah, si, je l'avais dû l'écrire quelque part, mais je me rappelle plus où c'est qu'on l'avait marqué. Ouais, parce que d'habitude, les gens les mettent sur leur feuille, mais toi, tu l'as pas sur ta fiche. Non, je l'ai pas sur ma fiche. Attends, je suis après à réfléchir où c'est que je l'avais écrit. J'avais dû l'écrire dans Discord, donc par contre, pour retrouver ça dans Discord, c'est vrai que j'ai pas pensé. Alors, attends. Attends, je vais retrouver, hein, t'inquiète. Je vais, en attendant, je vais le prendre chez quelqu'un qui l'a. Je pense que Tsurushi, tu l'as dans ta fiche, toi. Ouais. Je vais me mettre sur la fiche de Tsurushi, comme ça j'aurai la liste. Ok. Il y aura honneur en premier, courage, honnêteté, je vais dire courtoisie, devoir, compassion, et on va finir par sincérité. Voilà. Ah ouais, mais t'as eu tout non, tiens. Ça va être escroc. Bon, ils sont pas tous pareils, les lions. Ouais, ils sont pas tous pareils, comme quoi. Sincérité en dernier, ça fait très dit comme. Ça... Je n'arrive pas à retrouver dans quel ordre je te l'ai mis. Alors, on a dû en parler quelque part, mais alors, franchement, pour m'en rappeler. Tu peux le refaire, hein, de toute façon. Je le referai, ouais, je pense. Je pense que t'as une bonne idée de ton personnage, ça sera pas très loin, à mon avis, du premier OG, quoi. Du coup, vous sortez de ça. Je suppose, alors la Kitsu va vous demander si vous avez eu des réponses. Je dirais ce que j'ai vu, tout simplement. Elle va te montrer le document, en fait. Est-ce que ça ressemblait à ça? Et effectivement, ça ressemble au document en question. Okay. Je lui dis oui. Ouais, et du coup, elle te dit que c'est un des premiers ouvrages qui... un traité sur l'honneur, en fait, qui a été écrit par un vieil, un très très vieux lion, voilà. Qui est du coup probablement ton ancêtre, peut-être. Ou quelqu'un qui l'a connu. Ok. Voilà. Ouais, moi je lui dis, les ancêtres n'ont pas souhaité répondre à mes questions. Dans ce cas, ils sont méchants. Il n'est pas à la portée de tous de faire taire le vomissement qui tourne dans notre tête. Tsurushi, ça va. Vous avez pas le bourdonnement, elle aura dit, le bourdonnement. Mais peut-être qu'un autre jour vous sera plus bénéfique. Il ne faut pas désespérer. Ou peut-être avez-vous commis des actions que vos ancêtres ne tolèrent pas. Là, je le regarde, je lui dis... Raclure sans honneur.
pourrait dire, mais ça tient. Pas que je chasse, mais. Là, tu mens. Hein. Fais gaffe. Hein. J'ai pas fait de gros trucs. Oui. T'as qu'un samouraï dans le dos, bon, c'est un Ronin. Ouais, pas faux. Je l'ai oublié celui-là en fait. Il s'est bien vengé après, donc il garde la discrétion, tout ça. Bah, on n'est pas tous des fergaillés en armure lourde. Hein. Non, mais il y a juste au milieu, quoi. Je répondrai juste. Je pense que. Avant une réponse des ancêtres, il faudrait d'abord que je trouve ma place. C'est un chemin que vous devez arpenter seul. J'en ai bien peur. Tsurushi, Kikyo-sama. Mais je la regarde tout de suite et puis je lui dis c'est en de bonne voie, Kitsu-sama. Je me suis déjà trouvé un époux. Ça avance. Oui. Ok. Elle sait pas quoi répondre. Hein. Ça n'a jamais été une preuve d'honneur de se trouver un époux. Bah, ça fait partie du devoir, j'ai envie de dire. Certes. C'est pas l'honneur qui cherche, c'est sa place. Donc, ouais. Peut-être qu'il estime que sa place est d'être femme au foyer, mais. Parce que là, qu'est-ce qu'il fout là ? C'est oui. Mais... Bah, qui c'est qui a dit que c'est moi qui ferais le ménage ? Avez-vous d'autres choses à voir ici, Samouraï Sama ? Peut-être pouvez-vous nous montrer les samouraïs du clan du lion qui reposent ici les plus importants. Bah, elle va vous faire la visite, elle va continuer à vous faire une visite, voilà. Elle va vous montrer des objets qui ont appartenu à Akodo lui-même. Et vous allez avoir aussi des objets qui ont appartenu aux différents fondateurs des différentes familles lyonnes, en fait. Et d'autres samouraïs lions que vous allez, passer une heure ou deux. On a le premier propriétaire du sabre ou pas qui est présent Oui, il me semble que vous avez le nom déjà, vous. Ouais, je crois qu'il nous avait donné le nom. À côté de Tatori. Ouais. Non, c'était le dernier. Ça, c'était le dernier, mais. Le dernier connu. Je crois pas que tu nous avais donné le nom, tu nous avais dit que c'était quelqu'un qui était proche d'Akodo, mais sans pour autant vraiment savoir. Je vous ai pas donné son nom. Je me rappelle plus. J'ai un doute. Faut dire que Ryozaku, non ? Pas celui-là ? J'ai rien noté du tout jeudi dernier. J'ai tellement crevé que j'ai pas pris de note. Ryozaku, ça me dit quelque chose, mais je sais pas si c'était pas le dernier connu après Tatori. Ah, Ryozaku, c'est censé être le dernier de la lignée de Tatori, qui devrait vivre à notre époque, mais qui est mort en fait. Ouais. Il y a une paire d'années quoi. Alors j'ai plus la date exacte, mais ça fait ouais, c'est entre deux tours. C'est celui qui est chez les tombeaux. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Donc non, après par contre, je crois pas que tu nous avais donné le nom. Alors est-ce que tu l'avais pas ou est-ce que tu devais le chercher, je sais pas. Non, je l'avais pas écrit, je pense, dans les infos que je voulais mettre dans la scène, mais il doit être ailleurs. Non. Il faut juste que je trouve le bon. Je l'ai pas là. En fait, je sais que j'avais enlevé une partie de ces notes là. Ah, si, c'est peut-être ça. Non, je l'avais pas écrit de nom de lignée. C'est pas grave, on va rectifier ça tout de suite. Ça va être Akodo. Masuayo. Masuayo. Ouais. Hop. Masuayo. On l'envoie. Masuyao. Donc lui, c'est l'ancien, c'est le dernier propriétaire du sabre, quoi. Non, lui, c'est le premier. C'est le premier, ouais. Ok.
Et donc, effectivement, à un moment, son nom va popper. Ok. Et alors, on va vous présenter un objet particulier qui lui a appartenu. Et vous avez ses cendres qui... Ou même, non, vous allez plutôt voir ses cendres, en fait, et son nom qui est écrit. Pas forcément qu'il soit évoqué. Est-ce que vous réagissez au moment où c'est... Kitsusama, j'ai l'impression de... d'avoir déjà entendu parler de cet Akodo. Pouvez-vous nous en dire plus ? Il est connu comme étant le premier à avoir juré fidélité à Akodo. Ça doit être pour ça. C'est quelqu'un d'important pour votre clan, je suppose. Oui. Alors, ce que vous pouvez remarquer, c'est que les... C'est, comment dire... L'urne est dans un endroit qui est pas très très visible, pas forcément hyper bien entre, enfin c'est pas mal entretenu non plus, mais voilà, c'est moins mis en valeur que le reste quoi. Et oui, c'est une personne importante. Sa famille a été longtemps très très proche de la famille régnante. Et beaucoup. Sa lignée a accueilli beaucoup de frères et sœurs des Myo Akodo. Ce n'est plus le cas actuellement ? Non. Depuis quelques siècles, cette famille a été. A été couvert de déshonneur, ou du moins peut-être même maudite. Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé, mais un de leurs membres a été porté disparu, et depuis il a été porté disparu avec le katana ancestral de la famille, et sa disparition a aussi provoqué beaucoup d'incertitudes et politiquement la famille s'est vue affaiblie. Et après, pour être honnête, l'histoire de la famille s'arrête un peu là. Il y a d'autres descendants probablement, mais disons qu'ils ont été relayés à une plus basse importance dans la famille Akodo. Merci de nous avoir enseigné Kitsusama. Elle a de grandes connaissances. Oh, bon. Kitsusama, sommes-nous autorisés à arpenter ces lieux le soir ? Non. Vous pouvez demander une autorisation particulière, mais je doute que vous l'obteniez. Pour quelle raison souhaitez-vous... Elle est un peu méfiante, hein, parce que... Bah, je lui dis... Moi, j'ai l'air étonné, hein, parce que... Kitsusama... ce lieu est plein de sérénité. En ces temps troublés, il est bon de profiter du lieu. Il m'arrive souvent, dans le doute, d'aller me promener. Le soir, afin de penser à mes actions. Hélas, ce lieu concentre beaucoup d'artefacts du passé illustre de notre clan, et il est un lieu très précieux aux yeux du clan. Ainsi, nous préférons limiter l'accès. En journée, il est tout à fait possible d'y accéder et de prier à volonté. Par contre, la nuit, le lieu est fermé. Et seuls certains Shugenja de l'école Kitsu peuvent rester sur place la nuit. Évidemment, il y a aussi des gardes qui restent à l'extérieur, mais
rien de plus. Je comprends parfaitement, il n'y a pas de souci. Du coup, de l'autre côté, Komori. Oui. La personne qui t'a, entre guillemets, un petit peu marché dessus est une personne aveugle. Oui, je me doutais. Voilà. Alors, c'est un homme ou une femme? C'est un mode de quoi? Alors, c'est une jeune femme, aveugle, donc, comme je l'ai dit, et qui ne porte aucun mode. Et qui a été, entre guillemets, un petit peu maltraitée par... par les lions présents sur place. Ah, enfin, pas maltraité, mais ouais, pas maltraité, mais disons un peu traité comme vas-y, tire-toi, tu pues, quoi. D'accord. Ah, la compassion. Bah, du coup, je vais me redresser un peu perplexe. Ronin-san, faites attention. À qui ai-je l'honneur? Je suis Komori Kokoe, une membre du clan mineur de la chauve-souris. Oui, tout à fait. Je vous ai vu. Vous m'avez vu? Oui, dans mes songes. Et que disaient vos songes? Pouvons-nous marcher un petit peu? Bien entendu. Elle je tends le bras. Bien entendu, suivi par ma Yojimbo, hein, je ne l'interdis pas du tout de venir. Ouais. Elle te tend le bras pour que tu la guides, en fait, à travers des escaliers. Je vais la guider. Donc, du coup, vous commencez à descendre les escaliers. Une fois que vous êtes en bas, elle va te demander de te diriger un peu à l'abri du chemin. On va dire, de sortir un petit peu. Je ne voudrais pas que des oreilles, on va dire, poilues nous entendent. Ben, un peu perplexe, je vais regarder autour pour bien vérifier qu'on n'est pas observé. Bon, il y a quelques samouraïs qui se demandent un peu, enfin, que vous croisez, qui se demandent un petit peu ce qui se passe. T'as Yojimbo aussi un petit peu, hein, elle est en mode un peu... Qu'est-ce que c'est que cette énergumène, quoi? Parce qu'elle est vraiment mal habillée. D'accord. Elle va se présenter, par contre. J'ai oublié de le dire. Je suis Isa Kaminae. Ça me dit quelque chose, Isa? Pas du tout. Ah, mais c'est un seul mot, hein. C'est pas un nom féminin. Ah, d'accord. Et c'est un très long prénom, mais... Qu'est-ce que... Que sont vos songes dans vos... ces songes dont vous me parliez? Je sais pas si vous allez me croire, mais j'ai vu la fin du monde. Eh bien. Je ne sais trop quoi en penser, à vrai dire. Et j'essaye de... Comment dire? Cela fait des mois que j'essaie de convaincre le clan du lion de m'écouter. À travers ces Shugenja, car ils pourraient être d'une efficacité redoutable contre ce mal, mais... Quel mal? De quel mal parler? Pour être honnête, je ne sais pas. Je ne sais pas qui est derrière tout ça, mais je sais que ça, c'est en cours. Et que tous les autres problèmes de l'Empire ne sont que des... Problème d'enfant. La personne qui te parle a 12 ans, hein, qu'on soit d'accord. Hein. Ah, d'accord. Il existe en Rokugan une force qu'il cherche à détruire et elle a déjà commencé à œuvrer. Parler du mal qui dort derrière le mur? Enfin, qui dort. Non, je parle d'un mal qui détruira aussi ce qu'il y a derrière le mur. Cela semble inquiétant, mais... Oui, il faut être inquiet. Votre clan est aussi en danger. Pourquoi mon clan particulièrement? Par ses connaissances et par son pouvoir. Il semblerait que l'ennemi
qui contrôlent cette menace agissent par les mondes spirituels. Pourquoi m'avez-vous vu, moi ? Je ne sais pas. Je ne peux expliquer les songes que je reçois. Mais vous êtes bien Komori Koko et Sama. Oui. Et là, elle te cite tout ton arbre généalogique. Oui. Du coup, elle cite quoi ? Le officiel, hein, le officiel. Oui, d'accord. Et du coup, bah, elle te dit, vous avez un rôle à jouer dans ces événements-là. J'entends, mais lequel ? Que suis-je censé faire ? Vous battre ? Me battre ? Je ne suis pas vraiment une bouchie. Oh, il y a certainement de nombreux moyens de se battre, mais en l'occurrence, je sais que... Comment dire ? Connaissez-vous la position d'une arme très précieuse aux yeux de votre clan ? Qui aurait l'apparence d'un bâton, un gros bâton. Je sais de quoi il s'agit. Pardonnez, mais je suis surprise que vous connaissiez ce secret. J'ai vu ce secret se faire voler dans mes rêves. Quand ? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut agir rapidement ? Je ne sais pas non plus, mais ce n'est qu'un des événements qui se produira. L'arme que porte votre compagnon de route sera aussi volée. Le katana ? Ouais. Cette arme, Kikyu prétend qu'elle a quelque chose de maudit. Ce n'est pas impossible, mais elle détient un pouvoir conséquent. Qui peut être utilisé contre la menace ? Je ne suis pas certain. Je pense que j'aurais tendance à croire que la menace cherche à, au vu de tous les songes que j'ai reçus, ils sont fous dans ma tête à mon réveil, malheureusement. Je dirais que ces éléments vont servir d'énergie pour quelque chose de gros. Voilà. Je vous remercie, mais pourquoi vouliez-vous être hors de portée des samouraïs du clan du lion si vous cherchez au contraire à les convaincre ? Disons que je ne voudrais pas qu'ils vous... Comment dire ? Qu'ils vous poussent à ne pas m'écouter. Vous connaissez un secret que vous n'auriez jamais dû, dont vous n'auriez jamais dû avoir connaissance. Il est difficile à partir de là de ne pas croire à vos songes. Quel est ce pouvoir que vous avez ? Oh, je fais juste beaucoup de divination. J'ai été élève du dojo Kitsu. Et pourquoi ne l'êtes-vous plus ? Parce que mon entêtement à penser que mes songes étaient prophétiques ont poussé ma famille et mes sensei à me renier. J'ai été fait renier à cause de ça. De plus, si vous vous intéressez au clan mineur, il y a de fortes choses. Comment je vais formuler ça ? Si le sort des clans mineurs vous importe, j'ai beaucoup de songes qui concernent le clan du renard également. Et que disent ces songes ? Que le destin du clan semble très funeste. Avez-vous des informations sur... Avez-vous vu quelque chose qui puisse l'expliquer ?
Je pense que c'est un peu la même chose. Ils doivent détenir des choses que la menace désire. Et également, ils représentent la famille Kitsu, la famille Kitsune et la famille Komori sont les familles les plus aptes à avoir des connaissances sur les royaumes spirituels. Et donc, à peut-être être... ils sont vus, je pense, comme des menaces plus directes pour le plan de cet adversaire. Je vois... Souhaitez-vous que je vous guide vers le clan du renard ? Ça serait une possibilité, mais je ne sais pas s'ils accepteront d'accepter mes divinations. Je crains que je sois plus utile que vous à convaincre mon propre clan. Mais pour le clan du renard, peut-être qu'entendre les risques de vos lèvres avec des détails sur vos prédictions pourrait les convaincre. Bien mieux que je ne le ferai. Venez avec moi, je noterai vos rêves. Du coup, au moment où vous sortez de ça, les deux autres, vous descendez les escaliers et vous vous retrouvez. Ok. On va passer. Vous voyez avec une... gamine habillée n'importe comment, du coup. Alors. Komori et Kokoe-sama. Yoake-sama. Allons-nous faire pour la suite et... Oh, avez-vous appris pourquoi j'ai été rejetée ? Non, mais on nous a dit que... on sent, du moins, la Shugenja qui nous faisait visiter... nous a dit qu'elle fera en sorte d'essayer d'avoir une réponse. Bien, je l'en remercie de tout cœur. Je vous présente Isakar Minae-san. Enchantée. Elle est sous ma protection et elle va nous suivre. Bien. Enchantée. Le plaisir est pour moi, Samurai Sama. Nous avons pu voir les différents ancêtres présents dans le hall. Un était plutôt... Voulez-vous que nous allions chercher une auberge en discutant ? Oui. La Shugenja qui nous a fait visiter nous en a conseillé une. Très bien, je vous suis. Allons-y. Bon, du coup... Alors, avez-vous entendu une référence à... comment il s'appelait des... Je pense que nous pourrons en discuter à l'auberge. Très bien. Nous pourrons vous raconter tous les lions que nous avons vus. Parfait. Ouais, c'est une activité et un passe-temps très nouveau, mais ok. du coup, vous faites quelques minutes de marche et puis vous arrivez du coup à l'endroit, à l'auberge indiquée. C'est un lieu assez sobre, mais quand même de bonne facture, quoi. Assez propre, élégant et tout, donc ce qui va bien. Il y a quelques samouraïs. Là, pour le coup, vous trouvez des samouraïs un peu d'autres clans. Ils sont présents, il n'y en a pas non plus 25, hein, mais vous allez... vous allez croiser Avant d'arriver sur place, j'aurais demandé à m'absenter le temps d'acheter des vêtements pour la gosse. Mmh. Ok. J'aurais pris des vêtements de samouraï classiques, hein, rien d'incroyable, mais des trucs propres et pas déchirés. Ouais, c'est une bonne idée. Ça marche. De toute façon, à 12 ans, c'est une enfant, donc elle n'a pas du tout besoin d'être habillée en courtisan ou autre. Moi, je suppose que vous vous mettez à l'aise. Oui, oui. Petit bain, tout ça, et puis après, au repas, vous pouvez vous profiter pour discuter. Pourquoi un petit bain d'abord ? Un grand, c'est mieux. Hein. Toi qui vois. Mais bref, moi, je vous propose de passer aux discussions. Ça sera peut-être plus intéressant que. Oui. Ça sera plus intéressant. Juste les bains.
se met à l'aise. Nous avons vu les cendres de Akodo Masuyao. Oh, je regrette de ne pas avoir été là. De ce que nous a dit Kitsusama, c'est le premier à avoir juré fidélité à Akodo. Et depuis un certain temps, la lignée s'est retrouvée soit déshonorée, soit maudite. Elle ne savait pas trop. En tout cas, ça a suscité un affaiblissement politique. Il ne va pas être simple de trouver un défunt. Effectivement. Surtout que le dernier que nous connaissons, a priori, a été tué. Ida Carminae, as-tu vu quelque chose sur un autre sabre? Un sabre issu du clan du... J'en ai vu beaucoup. Celui-ci n'a plus de propriétaire. Si des gens le cherchent, il y a des chances que ces gens soient... fassent partie du complot. Rien ne dit que le complot soit unique. Il y en a beaucoup, des complots, en ce moment. Oui, mais il fait partie du complot que... dont j'ai des visions. Il semblerait que la personne la divinité qui m'accorde ces visions ait décidé que ma destinée était de stopper ce complot et cette menace. Donc quand je dis ce complot, c'est le mien. Celui que mon existence est censée chasser. Éliminer, détruire. De quoi parlez-vous donc ? Isa Carminae traque un complot contre les... qui semble passer par les mondes spirituels. Elle détient des informations qu'elle ne devrait pas avoir. Sans que ses paroles soient vraies. Elle vous déroule quelques rouleaux de parchemin. Qui elle sont. Peut pas lire. Ben oui, elle peut pas lire, mais l'un n'empêche pas l'autre. Oui. Certes. Vous voyez qu'en fait, c'est des notes qui viennent de différents clans, des infos en fait, de ci, de là, quoi. Il y a parfois Mia sur ces courriers et ses lettres, mais pas que, mais bon. Et voici les copies de lettres que j'ai pu obtenir sur des nouvelles. D'un peu à droite à gauche de l'Empire, et vous voyez qu'il y a... Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il va y avoir peut-être 5 courriers grand max, quoi. La plupart sont partiels et tout, mais il y a... on va dire c'est des listes de nouvelles, en fait, et, de situations et de choses, et donc il y a une liste d'événements, et de temps en temps, il y a... tel village a été attaqué ou un truc comme ça, et elle va vous dire dans cette lettre là ça parle d'attaque de créatures, je pense que c'est lié à mon complot, il me semble que j'ai vu cette attaque dans mes songes, etc, etc. Voilà. Ça correspond à des villages du clan du phénix où il y a eu des attaques d'une créature, tu sais, non. La créature qui chasse les bébés, non. Non, et en fait, dans la liste, il y a d'autres attaques, hein, y a d'autres événements qui pourraient être, mais elle vous en spécifie un par-ci, un par-là, quoi, et sans forcément en ignorant les autres, quoi. Voilà. Okay. Qui peuvent, voilà, les autres ne l'intéressent pas, quoi. Et donc, ce que vous avez en termes de rapport, c'est un des trucs qui vous parle, c'est qu'il y a un Mia qui écrit un courrier qui parle du clan du renard et qui dit que un membre du clan du renard a été attaqué par des créatures dans un village de crabes. Voilà. Okay. Il est toujours vivant ou pas? Oui, elle est toujours vivante. Elle a survécu, mais voilà, ça a été un petit peu chaud et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme élément? Ouais. Je vais rester sur celui-là pour l'instant. Je verrai si. Et votre complot, il mènerait où? À la fin du monde.
du monde. C'est vague, ça. La fin du monde. Oui. Plus rien. Plus aucune vie. Tsurushi... Bon, d'ailleurs, on s'appelle par nos prénoms, je suppose, depuis le temps. Oui. Kikyo-san, elle a vu votre katana voler. C'est de me rappeler si Kikyo a un katana et après je me rappelle de celui du clan du lièvre. Ah oui, voilà. Kikyo n'a pas de katana. Hormis celui du clan. Je me tourne vers la petite. Par le complot, simplement. Après, beaucoup de personnes semblent travailler pour ce complot-là. Cette menace. Je ne sais pas ce que vous préférez comme mot, mais c'est la même chose. Vous avez bien de la chance de faire des rêves, je n'en fais jamais. Vous ne faites jamais de rêves C'est des Tsuno qui ont attaqué le village où la Kitsune était. Ah, ça explique. Je ne sais pas ce que c'est des Tsuno, donc... Ce sont des Kitsu, la créature des Kitsu, la race ancienne, qui ont mal tourné en gros et qui peuplent le royaume du massacre. C'est quoi les Kitsu, mis à part la famille? C'est une race ancestrale. Alors, là, le truc c'est que ton personnage n'est peut-être pas au courant. Hein, moi je connais pas. Hein. Ouais, comme oui. Je vais passer un jet d'histoire. C'est un peu l'idée, ouais. C'est un peu ce que sous-entend. Parce que Kakita sous-entend, je pense, c'est que lui, enfin le joueur sait, mais je pense, mais. Oui. Je l'ai fait en RP, mais. Bon, ben, je fais un jet d'histoire. C'est histoire, je suppose. Ouais, mais un dé difficile, hein. Ça pourrait même être connaissance du clan du lion. Hein. Ouais, je peux le faire, Non, là, pour le coup, c'est pas forcément clan du lion. Je pense que c'est les deux. C'est lié, c'est vrai. Ouais, il y a un peu... Le sais probablement pas. Ouais, moi, je vais le faire sur histoire, alors. Je pense que histoire et connaissance clan du lion... Par contre, tu peux aussi le faire en connaissance royaume spirituel. Je pense qu'en fait, t'as pas les mêmes infos en fonction de... Ouais, c'est un peu l'idée, mais... Ouais, mais je l'ai même pas, connaissance royaume spirituel, j'ai juste théologie. Enfin, si, j'ai par... Si, t'es sage, quoi. Fais-le, hein. C'est plus facile par royaume spirituel. Hein. Mais je refais un jet du coup ou c'est celui-là? Ouais, d'accord. Vas-y, refais. Moi j'ai fait 36 en connaissance, j'ai utilisé un point de vide. Hein. En connaissance histoire ouais. Ah ouais. Bon, je vais utiliser un point de vide aussi. Ouais, hein. vas-y. 26. C'est mieux. Bon, du coup, en fait, c'est un peu l'effet. Je vais vous donner des infos, mais c'est un peu l'effervescence de vos réflexions à tous les deux. Du coup. Donc, oui. Il a existé du coup les Kitsu, qui sont une ancienne race, et que certains ont dégénéré et sont devenus des Tsuno. Voilà. Et du coup, les Tsuno effectivement vivent dans le royaume du massacre et sont des créatures plutôt vénères, quoi. Voilà. Et qu'elles consomment des âmes. La Ronin, elle consomme des âmes? les Tsuno, en tout cas. Ouais, ils consomment des âmes dans le royaume des massacres. Ouais. Et c'est pas très très bien dans la roue karmique quand tu rencontres un Tsuno, quoi. Bizarrement. Et donc, Komori... Oui. Comment dire, tu te sens... Ouais, c'est ça. C'est que les Tsuno, t'aimes pas. Hein. Vraiment, t'aimes pas. Hein. Ouais. Bref. Du coup, votre Yojimbo, Shiba va te demander quelle est la prochaine destination, du coup. Faut que je fasse passer au plus vite un message à mon clan. Nous sommes proches de Shiromatsu, vous pouvez envoyer un courrier, je suppose. Oui, je vais le faire, mais il faudrait que je retourne chez moi, surtout. Et du moins, chez vous, c'est de l'autre côté de l'Empire. Je le sais. Je vais faire passer un message dans un premier temps.
Bien. Je te rappelle, hein, de ce que t'as vécu avec, avec certains membres de ton clan. Moi ? Oui. Ah oui, oui, je sais. Mais j'ai pas le choix, là, c'est trop important. Va falloir que je mouille ma mère. Ok. Alors, du coup, la question, c'est... qu'est-ce que vous faites ? Le courrier, je considère que ça va partir, c'est pas de problème, hein, mais... Du coup, oui, j'écrirai un message à ma mère, en effet, en lui demandant de prévenir la faction qui m'avait contacté ouais. au plus vite. Et je raconte la rencontre étrange que j'ai faite. Je ne cache rien, je dis simplement la rencontre que j'ai faite avec tous les détails, y compris le plan du renard et tout, etc. Ok. Ouais. Du moins, vous savez que le clan du renard est de l'autre côté de l'Empire aussi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Alors, techniquement, il est de l'autre côté des Terres Scorpionnes. Oui. Oui. C'est vrai que maintenant, l'Empire s'arrête au niveau du clan du Lion et de la Grue. Donc, Nous pourrions d'abord nous rendre sur les terres des tombeaux qui sont plus proches. L'affaire qui nous occupe actuellement doit également être résolue. De plus, nous nous sommes engagés à nous en occuper. Oui. Mais le clan du renard pourrait être la destination suivante. Je vous fais confiance. Cela vous convient, bien sûr. Mais du coup, vous oubliez vos envies de terre sur les terres scorpions. C'est compliqué, là. Vu ce qu'elle m'a sorti, bah ouais, ça passe avant. Mais... Vous savez pourquoi, du moins, peut-être pourrons-nous d'abord attendre, savoir pourquoi vous n'avez pas pu rentrer dans le hall des ancêtres. Ou peut-être oui, que votre entendu, jeune ami le sait. De toute manière, vous avez dit qu'elle viendra demain. Qu'elle viendrait quand elle aura une information, qu'elle nous enverra une information s'il en avait une. Bon, disons que si elle n'en a pas une avant, dans la nuit ou dans la journée, c'est compliqué qu'elle en aura probablement ouais, voilà, pas. Mais, voilà. La personne qui vous a mis dehors est la sensei... de l'école Sodan Senzo. Eh ben, votre orpheline préférée vous est impressionnée. Impressionnée. Ah ben, avoir survécu à la colère de Kitsu. C'est pas mal. Eh bien, elle n'a pas essayé de me tuer. Elle m'a simplement interdit d'entrer. D'accord. Oui, bah, vous avez bien fait de pas rentrer. Elle a quand même menacé les gardes de... Elle ne veut pas créer d'esplendre. Oui, bah... c'est peut-être là où j'aurais dû avoir votre sagesse. Vous êtes encore jeune, vous avez le temps d'apprendre. Il ne vaut mieux pas attaquer frontalement. On n'avance pas beaucoup dans ce genre de cas. Si, mais il faut beaucoup d'amis. Et du coup, qu'est-ce que tu veux faire dans ton Rushi ? Bah écoute, faire un tour chez le dragon, là, chez les tombeaux, moi ça me va aussi, pourquoi pas. Après, aller voir chez le... Le renard, ce qui s'y trame, ça m'intéresse aussi, parce que du coup, pour rassembler les clans mineurs en un seul gros clan, c'est... Oui, le clan du renard est assez gros, en fait. Ouais, c'est pas bien, s'il y a des embrouilles. Bah, du coup, c'est un peu... C'est, vous avez... disons que c'est à vous de choisir, hein, vraiment. Vous avez la panoplie des actions à... Dans vos mains, hein. C'est vous qui choisissez. Alors, moi, je suis pour faire les deux, mais dans l'ordre tombeau parce que c'est plus près, puis ensuite aller vers les terres du clan du renard. Après, dans l'optique, vous pouvez, si tu veux aller sur ton clan, tu peux d'ici partir chez les grues et retrouver la côte et du coup prendre un bateau. Je vais laisser faire ma mère pour ça. Il faudra que j'y retourne, oui, pour m'assurer que le message est bien passé. Si vous pensez que les Kitsu sont en danger et il vaut mieux les prévenir tout de suite, bah vous pouvez y aller.
et vous gagnerez du temps parce que vous êtes plus près. Parce que là, si vous partez les tombeaux, ça va vous éloigner des Kitsune, hein, forcément. Et de plus, ça vous fait passer par les scorpions, et donc potentiellement, si vous avez envie d'essayer d'avoir des terres, vous pouvez. C'est vrai que ça peut être une idée. Alors moi, je voilà. Et du coup, ne pas aller chez les tombeaux. Dans tous les cas, dans l'auberge, il y a des grues ou des trucs dans le genre, ou des phénix ici? Grues, je vais dire que non. Je vais plutôt dire qu'il y a un dragon, éventuellement. Et puis, ça va être à peu près tout, je pense. J'ai envie d'aller lui demander des nouvelles de Shiru Murumoto, mais je sens que je vais être mal accueilli. Il doit pas savoir ce qui se passe, sinon il t'aurait déjà mal accueilli, je pense. Cependant, nous pouvons le prévenir de la rumeur que nous avons entendue. Ça serait trahir l'empereur. Trahir l'empereur ? C'est lui qui a donné l'ordre au clan de la grue d'attaquer, de faire tomber Shiru Murumoto. De dire à un dragon que une de leurs plus grandes villes est attaquée, l'ordre de l'empereur n'est pas peut-être pas très subtil. Je vois. C'est l'un d'entre vous qui a un bip Discord. Qui a un quoi? Il y a eu un bip Discord. Alors moi j'ai pas entendu de bip Discord. Bon, moi non plus j'ai pas okay, entendu. Ok, alors ça va être chez moi mais je sais pas d'où il vient. Clairement, j'ai pas du tout entendu de bip Discord. C'est pas grave, c'est de mon côté alors. D'ailleurs, pendant que j'y pense, les terres libellules sont proches de Shiru Murumoto. Oui. Logique. Ah, c'est pas Discord que j'ai entendu. D'ailleurs, je pense qu'il faut passer par les terres libellules pour aller à Shiru Murumoto. Effectivement. Effectivement. Oui, c'est même leur rôle. Oui, c'est leur rôle, oui. Mais ça veut dire qu'à mon avis... Ils vont peut-être se faire piétiner. À mon avis, il n'y a plus de la libellule. C'est peut-être pas l'idée d'aller là-bas. Parce que en fait, on va pas avoir beaucoup d'informations, ils seront en guerre. C'est ça. Je pense qu'il faudrait peut-être attendre que... Dans ce cas-là, allons voir les Kitsune en premier. Oui. Disons que autant attendre d'aller voir les libellules que de savoir qui a gagné entre Tsume-sama et Miyamoto-sama. Dans ma tête, je prie pour qu'ils soient entretués. Dans ce cas-là, direction les anciennes terres scorpions, mais ça risque aussi d'être extrêmement dangereux. Oui, il trouve qu'il y a plein de tourisme en ce moment. Je suis pas sûr qu'on peut appeler ça du tourisme. Là, c'est le début de l'hiver. A priori, les armées oui, vont être assez calmes. Hein, mais on risque de tomber sur l'armée Matsu. Et je n'ai pas spécialement envie de rencontrer la championne du clan du lion. Qui risque de m'accueillir d'une façon assez radicale. Par contre, il y a un truc, c'est que... Quoique, je vais pas vous le dire, parce que vous... Tsurushi, fais-moi un jet de... Ouais. De... Intelligence, art de la guerre. Oula. Tu te demandes de ces trucs, toi? Ou si tu as navigation, tu peux aussi le faire. Moi, je l'ai. Navigation, je l'ai. J'ai plus en art de la guerre qu'en navigation, mais tu vas voir ce que tu veux exactement. J'ai pas le droit de faire. Je réfléchis, parce qu'en fait, j'ai peut-être pas les connaissances, hein, c'est possible. Est-ce que tu as de l'art de la guerre? Non, j'ai de la navigation. Alors, si t'as que ça, je peux pas te l'accorder. Très bien. Mais oui, mais on peut passer par les terres de ton clan, en fait, pour descendre chez les Kitsune. On n'est pas obligé de passer par les scorpions. Ouf, il y a la rivière 43. Qui est à côté. Ok. Je vais te donner une info en MP, tu... C'est vrai, ce serait ainsi l'occasion pour vous de revoir votre mari? Oui, effectivement, mais Je me dis que c'est...
Ce n'est pas forcément une, enfin très très avantageux pour moi, mais oui, pourquoi pas. Pourquoi donc, vous sembliez très heureuse de ce mariage ? Oui, bien sûr, mais je me dis que, enfin, vous êtes des samouraïs quoi comme moi, quoi. Je voilà quoi. J'ai l'air perplexe. C'est mon époux, je le partage pas. Ouais. Vous n'avez pas envie de revoir votre époux ? Ah si. Ouais. Tiens, nous passerons à côté, si ce n'est que ça. Non, je, c'est une grande joie que je vous le présenterai, mais vous ne pouvez pas comprendre. Très bien. Ah, c'est mais, sûr. Si nous passons près de chez moi, c'est qu'une joie que. Je pose une main sur mon ventre. En effet, je n'ai pas vocation à éviter mon époux. Vous savez, Tsurushi-sama, le meilleur moyen pour que nous comprenions, c'est de nous expliquer, en fait. Ah non, c'est juste que... Enfin, c'est un samouraï extraordinaire. Faut dire, il est juste magnifique et... Enfin, ne vous inquiétez pas, je peux pas de saquer, enfin, je voudrais pas que vous soyez jaloux, en fait, voilà. Oh, ça ne risque pas. Je vous crois sur parole quand vous dites qu'il est extraordinaire. Mais je n'ai moi-même pas à me plaindre de mon propre époux. Du coup, si nous ne sommes pas en bas, si nous ne sommes pas pour aller chez le renard, par les tirs scorpions, il y a des chances que nous passions près du ligne entre les lions et les crabes. Si nous passons par mon clan, nous pourrions rencontrer le crabe. Mais je ne connais pas exactement leur position, mais ça me semblerait logique. Sio dans les terres en hiver après, dans ce cas-là, nous pouvons passer par les terres grues. Et nous rencontrons que des grues. Cela me permettrait d'envoyer de façon plus sûre un message à ma mère. Et nous pouvons même peut-être nous arrêter chez moi, dans ce cas-là. Ça nous ferait faire un détour vers la côte, mais d'un autre côté, si nous prenons que le bateau, nous irons plus vite chez les Kitsune. À vrai dire, j'aime cette option. Je pourrais ainsi envoyer un message beaucoup plus, de façon bien plus sûre à ma mère et il arrivera plus vite. C'est vrai qu'il est jamais bon ton de rencontrer des armées offensives. Même en hiver. Vous entendez des hurrahs qui descendent du bas de l'auberge, en fait, de la salle commune, on va dire. Où certains soldats sont en train de chanter et s'amuser, visiblement. Je tends l'oreille. Bon, je vais aller voir. Les lions sont heureux, ils font la fête. Alors, ils sont pas très... comment dire. Ils restent un peu poker face, mais avec l'alcool, quand même, ça... Voilà. Ça disparaît un peu, et visiblement, tout le monde a le sourire aux lèvres. Okay. Bah, je vais m'approcher d'un lion qui a l'air peut-être moins patibulaire que d'autres. Que se passe-t-il donc ? Lion-sama, vous semblez particulièrement heureux. Oui, Samurai-sama, nous avons appris une bonne nouvelle. Est-ce que ça serait discourtois de vous demander laquelle, Lion-sama ? Mais pas du tout. L'empereur a ordonné au clan de la licorne d'aller attaquer les dragons. Ainsi, tout le territoire du clan de l'ancien clan du scorpion sera bientôt le territoire du clan du lion. Je réfléchis, du moins, je me dis, mais très bien. Vous n'avez pas peur que l'empereur vous ordonne également d'aller attaquer le dragon ? Nous aurons des armées pour le faire. Ils ont demandé une attaque en plein hiver ? C'est étonnant. C'est inhabituel. C'est notoriété que le clan de la grue est parti là-haut ? Alors, nous, on le sait. Après, est-ce que... Voilà, c'est pour ça que je pose la question, justement. Mmh. Ça, c'est... Je ne sais pas si c'est une notoriété publique ou pas. Ouais, du coup, je dis rien, alors. Moi, je vais demander, avez-vous d'autres nouvelles de l'Empire, Lion-sama ?
Nous avons été beaucoup sur les routes et c'est vrai que nous n'avons pas eu le temps de beaucoup nous poser pour entendre des nouvelles. Mmh. Bon, ben, je sais que les troupes crabes sont pas très loin, mais avec l'hiver, pour l'instant, ça se regarde en champ de faïence entre les armées lionnes et les armées crabes. Avec le retrait des armées licornes, le clan du lion va se déployer pour couvrir tout le front avec le clan du crabe. Nous savons que une armée des Doji est aussi positionnée au sud pour couvrir la frontière avec le clan du crabe. Mais c'est tout ce que nous savons à peu près. Il est heureux que votre clan puisse préserver les anciennes terres du clan du scorpion, d'un clan qui a quitté l'Empire. Je vous en remercie. Je suis rassuré de savoir que le clan du lion défend les frontières de l'Empire, effectivement, également. Ouais. Le clan du crabe était de farouches guerriers, mais ils ont toujours vécu protégés par une muraille. En plaine, ils seront des proies faciles pour les troupes lionnes. S'ils envoient toutes leurs armées au nord, le mur sera-t-il toujours défendu ? C'est leur problème. Ça sera peut-être le nôtre après, mais... Oui, c'est le risque. Allons bon, ne vous en faites pas. Le clan du lion a tenu 1000 ans. Il en tiendra encore bien plus que ça. Je souris. Je ne réagis pas à sa remarque. L'Empire a grand besoin de sa principale puissance militaire. Oui. On vous offre du saké. Hein. Oh bah, je bois. Je vais en profiter aussi pour... Pour une fois, quand on offre du saké chez les lions. Ouais. Ça permettra de se détendre aussi. On a été sur les nerfs entre des ronines, entre la guerre, entre tout ça. Donc, je sirote une demi-tasse et après je vais demander un thé. Le saké, ça réussit pas trop à Kikyo, donc... Parce que la dernière fois, c'est vrai que t'as été bien bourré. Ce que vous comprenez, c'est qu'il y a une espèce de drôle de guerre entre les armées lionnes et l'armée des Doji et les armées crabes, quoi. Ouais, ouais. C'est, en gros, ils se regardent tous, mais ça bouge pas, quoi. Ouais. C'est l'hiver, c'est pour ça, quoi. Ouais. L'été, ça va donner. Oh, est-ce qu'il y a un lion plus mignon que les autres, tiens? Oui, probablement, oui. Je proposerais de... Attends, je proposerais de faire un peu de poésie hein, pour animer la soirée, hein, si ça les intéresse en tout cas. Ouais, bon, ils sont pas contre, mais bon, c'est des... c'est des distractions de mangeurs de salade, quoi. Attends, je regarde combien j'ai en art du compteur. Ah, j'ai 2 en art du compteur. Ouais, plutôt art du compteur en narrant les ce qui s'est passé c'est avec les lions qu'on combattu pour préserver la capitale quoi. Mmh. Je pense que ça les intéressera plus dans ce cas-là. Ouais, ouais. De la poésie. Moi, je resterai pas extrêmement longtemps à la fête, je passerai un petit peu de temps à boire vite fait avec les lions mais sans me bourrer la gueule et ensuite je me retirerai dans ma chambre. Pour commencer à noter ce dont se souvient la petite. Ouais, alors, tu vas me faire un jet de courtisan, ma petite Kakita. Ok. S'il te plaît. C'est S majuscule ou S minuscule ? C'est S majuscule. Majuscule, ouais. 33. Pas si fameux pour le... Ok, tu vas quand même comprendre un petit truc, c'est que ils vont pas te le faire remarquer, ils vont pas te l'expliquer, mais tu sens qu'il y a un petit malaise quand même. Ah, qu'une Kakita parle... Oui, bah oui. Non, c'est pas ça. C'est le choix de ton sujet de ton compte. D'accord. Le fait de parler d'Akodo, qui se sont battus vaillamment pour défendre la capitale et... Ah, chez les Matsu. Et d'une part... Et d'une part aussi... Il y avait des Matsu aussi, parce que l'armée Matsu a pris... Oui, ils ont coupé un bras à un crabe.
a pris aussi la capitale et a vaincu. Oui, mais je considère que tu as parlé aussi des. J'ai parlé de tous les exploits, Lyon, ça c'est sûr. Voilà. Mais ce qui les attriste un petit peu, ils sont pas forcément, ils vont pas te le reprocher, hein. Mais tu sens que le sort de la famille Akodo, de par les événements et la mort de leur démio, c'est limite aux yeux de certains, quoi. Et donc, du coup, Ouais, je vois qu'il y a quand même des gros soucis politiques à ce niveau-là. Ah bah alors, clairement, pas tous les samouraïs ont ça. D'autres ont profité du truc et ont trouvé que ton récit était ce qu'il fallait, etc. Mais voilà, t'as pu remarquer chez peut-être les plus intelligents, on va dire, et les plus curieux. Donc, ça te tiquait un petit peu, mais ils te l'auront pas signifié verbalement parce que voilà, ils vont pas te mêler à cette affaire, quoi. Mais clairement, je montrerai pas que j'ai remarqué. Je serais plutôt l'artiste Kakita Candide. Ouais, je pense pas que la course façon que la soirée se prête à faire un peu de musique là-dedans, quoi. Ouais, tu peux. Hein, mais globalement, il y a une bonne ambiance parce que pour eux, ils voient ça comme une bonne nouvelle. Donc. Ouais. Après ça, je demanderai au lion s'il y a de la musique de raconter un peu certains de leurs exploits martiaux, tu vois, ce genre de choses, quoi. Ouais. Permettre de se vanter un peu. Je sais qu'ils aiment bien ça, donc. Ouais, tu vas avoir un petit peu de récit là-dessus. Du coup, je m'occupe du fond musical alors. Ah, il y a un truc que j'ai oublié. Parce que vous avez fait quand même le route, c'est ça qu'il faut que je prenne en compte. Vous avez perdu un peu de temps quand même à marcher entre l'endroit où vous êtes et tout. Dans les nouvelles de l'Empire que vous avez demandé, vous aurez eu deux choses. Un, il y a une maladie qui semble frapper un peu tout le monde. D'accord. Et qui semble être très inquiétante et beaucoup de Kitsu ont été mobilisés pour soigner les troupes qui ont été malades, et ça explique aussi pourquoi le clan du lion n'attaque pas face au crabe. C'est qu'il y a beaucoup de soldats, enfin beaucoup, c'est relatif, mais il y a une petite proportion de soldats qui est malade. Et donc on en meurt de cette maladie, pas tous mais certains, que ça semble visiblement très actif sur le territoire du scorpion, mais que ça se répand. Voilà. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point que vous allez entendre, qui est beaucoup plus anecdotique, mais alors parmi, je vais dire, d'autres nouvelles qui vous semblent pas intéressantes, vous apprenez que il y a eu de nombreux décès en terre Ikoma et Akodo récemment. Par maladie ou Alors, il y en a. Mais surtout, ce qui va vous choquer, c'est que vous allez apprendre le nom de l'Ikoma qui était le chef des archives de la forteresse où vous étiez. Ah, punaise, je m'en doutais, quoi. Le chef... Attends. Le chef des archives de l'Ikoma. Celui que ma cousine et Kikyo sont allés voir. Oui, celui qu'on est allé voir. Ouais, alors j'ai plus le nom en tête, mais... Il s'était renseigné sur un sujet qu'il ne connaît pas. Eh bien, Ikoma-sama n'a pas été très discret. Le problème, c'est que s'il a causé, on va venir nous chercher aussi, maintenant. Je sais pas de quoi vous lui avez parlé. Donc, Je considère que Tsurushi, t'as l'info aussi. Hein, donc... ouais, mais, ouais. Voilà, vous, Kokoe aussi. Hein. Et avec en plus Isaka Riminae qui a dit que ton katana allait être volé, tu commences peut-être à flipper un peu. Ah, de toute façon, quand tu me dis que mon katana est volé, c'est simple, il a accroché à mon hobby. Hein. Peut-être que ton hobby sera volé. Dans ce cas-là, tu es un hobby. Peu mal. Les fesses à l'air. Et donc du coup, voilà, vous avez normalement tout ce qu'il vous faut. Ouais.
Du coup, en passant la soirée avec Isaac et Herminae à noter ses visions, je lui demanderai également sur les différents sujets qui nous intéressent, s'il y a un lien ou pas avec son complot. Alors, ça va être les histoires de femmes enceintes tuées par des créatures. Après, elle n'a pas d'infos là-dessus. D'accord. La maladie des scorpions. Non. Ben, elle pense pas que ce soit lié. Elle n'a pas vu ça dans ses visions, en tout cas. Ouais. La disparition de... Enfin, comment il s'appelait déjà, l'Akodo qu'on cherchait. La fin de lignée qui a disparu, là. C'est pas lié. Enfin, du coup, elle te dira... C'est pas lié, mais par contre, le katana magique, peut-être que c'est un des katanas qu'elle a vu dans ses visions, quoi. Parce qu'elle en a vu plein, elle pourra... Si elle voit le katana en question, elle pourra te confirmer si elle l'a vu ou pas en rêve. Mais bon, d'écrire un katana face à des milliers d'autres, bon, voilà, quoi. Oui. C'est un peu compliqué, mais... Voilà. Mais a priori, non. Tout ce qui tourne autour du choix de... Du chef Akodo, ça n'a rien à voir, je suppose. Non. Par contre, dragon par l'empereur aussi. Non plus. D'accord. Du coup, je noterai ses visions simplement. Enfin, je commencerai à noter ses visions. Je suppose que j'en aurai pour pas mal de temps. Et surtout, on fera ça à chaque fois au réveil. Ouais. Alors en fait, le truc, c'est que je pense qu'elle va avoir. Comment dire ? Un accident. Non, c'est pas ça, c'est que je pense qu'elle va te dire à un moment, au bout de quelques temps, que ça... Que ça fait chier. Non, que sa destinée l'appelle ailleurs, en fait, et qu'elle doit pas, si elle reste avec toi... comment dire ? Elle est contente de t'avoir... comment dire, de t'avoir expliqué ça et de t'avoir mis là-dessus. Mais elle le fait, elle part maintenant, tout de suite ou... Non, mais je pense qu'elle va t'accompagner quelques semaines, mais qu'au bout d'un moment, elle aura. Ça laisse pas mal de temps pour voilà. Mettre des trucs déjà. Oui, voilà. Mais du coup, elle. On commencera un recueil. Alors, mais ça, à chaque fois, c'est des cours flash, quoi. Ça peut toujours servir. Voilà. Dans l'idée, tu vas besoin de me spécifier tout ce qu'il y a. Oui. Simplement, tu pourras décider à un moment du scénario de me dire ça, tu l'as noté dans une vision. De... Ouais, ça marche. Ça marche. On peut le gérer comme ça plutôt. Mm. Alors, je pars du principe que moi, la soirée, je la finirai sûrement dans le lit d'un lion. Ok. Ouais, moi, je pense, moi, j'aurais fait de la musique voilà, avec mon couteau. Okay, okay. C'est traditionnel, il n'y a pas une foutre la paix avec ça. Moi, j'aurais discuté avec la Yojimbo Shiba ensuite. Oui. Pour discuter de cette rencontre étrange avec Isaac Herminae. Ouais, la Shiba lui accorde pas beaucoup de crédit quand même. Hein. Mm. Mais, Je comprends, mais je ne peux pas me permettre d'ignorer qu'elle ait une information qui n'est connue que de mon clan. Par contre, comment dire ? C'est vrai que j'avais oublié la Yojimbo, mais alors, parce que j'avais prévu un truc pour elle pendant, face à la Kitsu, mais... du coup, Komori, Koko et Sama, auriez-vous souhaité que j'intervienne plus violemment contre Kitsu-sama ? Non, quand... Vous avez bousculé ce matin ? Quand ma vie n'est pas en danger, je préfère que nous traitions les... problème de façon plus douce. Nous n'avons rien à gagner à un conflit ouvert avec les Matsu. Cela nous aurait amené plus de problèmes que de solutions. De plus, j'ignore même ce que cette Daimyo me reproche. Elle a peut-être une bonne raison d'agir ainsi. En tous les cas, si vous souhaitez rentrer, je peux toujours défier la Kitsu en duel. Elle nommera un champion et si je gagne, vous aurez probablement le droit de rentrer. Je pense préférable de d'abord apprendre pourquoi elle a agi ainsi. Il y a peut-être une raison en rapport avec mon clan. Le clan de la chauve-souris a toujours été très proche des esprits Komori, qui ne sont pas liés au royaume spirituel de Yomi, mais à celui de Mai. Peut-être est-ce de cela qu'il s'agit.
Cela n'excuse absolument pas son comportement, mais j'ai ressenti en méditant que je n'avais pas vraiment ma place ici. Je suis plus utile ailleurs sans être pour autant repoussée par le royaume de Yomi. Très bien. Elle accepte, hein. Elle accepte ta façon de voir les choses, hein, pas de soucis. Donc. Après tout, nous traitons avant tout en ce moment d'un problème spirituel et ce genre de problème ne se règle que rarement par les armes. J'espère que d'une façon ou d'une autre, je pourrai vous aider à le régler. Je vous remercie. Je dois avouer que je préférerais que ce soit aux armes, je m'en sentirais plus efficace. Mais... Espérons déjà que nous en saurons plus sur la raison qui a poussé Kitsusako à agir ainsi. Sa réaction était extrêmement brutale et inappropriée. Elle doit avoir une bonne raison. Je l'espère. En effet. Est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose dans la nuit ou on passe au lendemain matin ? Non, on peut passer au lendemain matin. J'ai dormi avec le katana. Oui. Dormi avec le katana. Ouais, et Yuaki a dormi avec autre chose. C'est ça. Ouais. On se demande qui était le plus long. Il y avait aussi un katana, mais pas que. Il était moins grand que celui de Kikyo. Du coup, ouais, ok. du coup, vous vous réveillez le lendemain matin, vous prenez votre petit déjeuner, l'aubergiste vous prévient que vous avez reçu un mot matin, un pli. Vous le lisez, il y a écrit que. Donc c'est forcément Kitsu, le nom long, Yoko Otoko, qui vous écrit et qui vous dit que, a priori, Kitsusako a vu dans la lignée de Komori Kokoe, qu'elle était divisée par deux. Hein? Vous comprenez ça comme vous voulez. Bah, il manque la moitié, quoi. Voilà. Ouais. Il manque la moitié de ta lignée, c'est ça ? Il manque la moitié de tes ancêtres. Mm-hmm. Bah, du coup, j'ai l'air très pensif. C'est logique. Bah, surtout vu les doutes qu'avait déjà mon personnage. Ta lignée a été divisée par deux, très bien. Probablement plus compliqué que cela. On a déjà entendu d'autres cas comme ça ? A priori, non. Ok. Bon, de toute façon, j'ai aucune connaissance théologique, donc moi, je comprends pas. Tiens, peut-être des ancêtres que Kitsusama n'a pas. Ah, c'est une bonne idée. Je préfère ne pas insister sur cette voie. Alors, Samurai-sama, où devons-nous aller pour la prochaine destination ? Et je souhaiterais m'informer du trajet avant de partir. Je dois savoir où nous partons. Divo, Yojimbo. Partons-nous toujours vers les terres du clan de la grue ? Ouais, on prend le bateau et on descend dans les terres du clan de la grue, ouais. Ah bah vous avez pas besoin de prendre le bateau, hein. Enfin, vous marchez. Hein. Et en plus, les fleuves sont terre impériale, pas terre... De clan. Pas terre de clan, ouais. Bah techniquement, vous passez un pont et vous êtes chez les Doji, hein. Mais après, de là, vous pouvez prendre ce que vous voulez. On prend le plus rapide. Vous allez arriver dans la province Kotasen. Kozaden, et du coup, Kozaden. On va juste cacher ta mère ? Comme vous voulez. Ce serait intéressant de l'informer de tout ce que nous avons appris. Et ça me permettrait d'envoyer un message de façon beaucoup plus sûre à la mienne. J'hésite vraiment à me rendre sur les terres de mon
les informations d'Isaac Arminae. Elles sont surtout peu claires pour qu'on y trouve de quoi agir. Captain, lis tes messages. Juste au cas où. Très bien. Si nous allons dans le territoire du clan de la grue, la route sera sans danger. Et nous n'avons pas. Nous avons peu le risque de rencontrer une armée. Oui. Du moins dans les premiers temps. C'est préférable. Juste me remettre les moyennes. Obi, c'est juste une question. Je me rappelle plus en fait ce que tu m'avais dit là-dessus. Le bâton dont tu m'as parlé, il était lié au Komori ou... D'une façon ou d'une autre, un peu, mais beaucoup plus au clan de la menthe en fait. D'accord. Dans ce cas-là, je peux me permettre. Parce qu'en fait, s'il est directement au Komori, Kokoi va forcément vouloir aller sur l'île. Alors que si c'est plutôt lié au clan de la menthe, elle pourra après... se contenter d'un message. En fait, c'est surtout que c'est beaucoup plus au clan de la menthe qu'il est lié historiquement, mais dans les faits, c'est... Non, aux esprits Komori, je veux dire. Ah, non, il n'est pas du tout lié aux esprits Komori. D'accord, bah dans ce cas-là, j'enverrai juste un message, ça ne se pose pas. Non. Il a appartenu à une fortune. Mmh. Voilà. D'accord, très bien. Non, mais dans ce cas-là, je vais en effet laisser ma mère gérer cet aspect et m'occuper du clan du renard. Ok. Parce que entre la destruction d'un clan et le vol d'un bâton, je trouve que bon, c'est assez vite vu. Bah, comment dire, dans les visions ça semble, de... Ça semble lié, apparemment. Oui, c'est vrai qu'il y a le clan de la chauve-souris aussi qui était en danger. Oui, c'est ça. Le clan est quand même en danger, mais voilà. Mais moins que le clan du renard ou pas? Ah ben, elle a pas vu la destruction du clan de la chauve-souris. Elle a vu la destruction du clan du renard. Elle a d'accord, vu. Donc ça a voilà. Plus urgent. Ouais. Bah, du coup, j'aurais simplement envoyé un recueil des visions à ma mère et puis je vais laisser gérer ça. Ouais. Alors c'est pas dit que voilà tout le monde survive si des attaques surviennent chez les chauves-souris, mais en tout cas le clan tiendra. Oui, mais ils ont des ressources. Oui. Ils ont une RH particulièrement efficace. Ouais. Ouais, et puis ils ont des scorpions actuellement, donc... C'est ce que je disais, ils ont des ressources. Oui, ils ont des RH qui recrutent beaucoup. Moi, c'est ce que je disais aussi. C'est ça. Ok, bah en fait, en regardant la carte... Ils sont tous mariés 4 ou 5 fois, donc ça va. En regardant la carte, effectivement... je vous la mets là, pour tout le monde... oui, vous pouvez passer côté province Kossaten et après de là marcher jusqu'à la maison familiale de la mère de Kakita Yuake. C'est pas très loin en fait. Je pensais que ça serait plus que plomb que ça, mais. Dans ce cas-là, on va le faire pour envoyer un message de façon plus sécurisée et plus rapide et enfin, voilà. Et raconter peut-être à sa mère ce qui s'est passé. Alors pas un mot sur mon frère. Hein. Je vous ai prévenu. Hein. Ok. Pour quelle raison, au fait? J'ai pas envie qu'elle aille provoquer en duel le Daimyo Tsume. Elle perdrait? Je sais pas. T'as côté juste, voyons. Du coup, vous vous dirigez vers la province Kotasen. Et c'est du ça. Coup, vers Kotasen Shiro, qui est sur la route. Pendant le trajet, du coup, je noterai les visions alors, de la petite et j'essaierai de lui apprendre des bribes de la compétence courtisan pour qu'elle se fasse un peu moins taper dessus. Ouais. Alors, attends. Ah ouais, mais on a bien avancé au mois de l'hiver, en fait, déjà. Mais non, je sais ce que je vais faire avec la chiotte. Je vais lui demander d'envoyer le message à ma mère, si elle accepte. C'est sans doute là qu'elle sera le plus utile avec une lettre pendant que je m'occupe du clan du renard. Ok. Elle accepte de faire ça? Ouais, ça peut. Ouais. Et bah voilà. On va faire ça, comme ça. Donc je la quitterai une fois là-bas. Elle prendra le bateau pour se rendre sur l'île Komori. Ok. Vous arrivez donc à Kossaten Shiro et vous constatez que le village, enfin la ville, et comment dire, un peu sous quarantaine, quoi. Ah. Comment dire.
Les gardes des dojis à la porte du village vont vous demander est-ce que vous avez des symptômes, de la toux, de la fièvre? Est-ce que vous vous sentez fatigué? Par la route, oui. Non, pas spécialement, pas plus que d'habitude. Ils vont vous demander de montrer vos corps. Pas entièrement nus, mais pas loin, quoi. Ils vont vous demander de vous montrer vos bras, vos jambes. Alors, évidemment, vous êtes vu par un samouraï de votre genre. Pas que ça soit déplacé. On respecte les formes, quoi. Voilà. D'accord, oui, bon, je pense pas de difficulté. Hein. Et vous constatez aussi qu'il y a, il y a beaucoup de... Alors, beaucoup... Il y a quelques... fosses communes qui ont été faites et où on a brûlé les corps et enterré les cendres, quoi. Eh ben... Et on brûle toutes les affaires des gens, voilà. Il y a... En fait, c'est... dans les quelques... Parce que, du coup, la marche entre le lion et là où vous êtes, ça vous a pris peut-être 4-5 jours, quoi. On va dire. Et entre le rôle des ancêtres et Kosaten Shiro. Voilà. Et du coup... Et donc, une fois que vous passez la visite médicale, entre guillemets, on vous laisse rentrer. Comme il faut. Nous sommes dans le mois du bœuf, pour information. Le mois du bœuf, c'est quoi? C'est l'avant-dernier... C'est Fouling? Je sais plus. Ouais, c'est Fouling, ouais. Si c'est l'avant-dernier, ouais. C'est Fouling. Il fait froid, quoi. Ouais. Ça veut dire que c'est février, techniquement. Plus ou moins. C'est ça. Oui, on est même à la fin d'hiver, en fait. Il y a 4 mois d'hiver, donc oui. Ouais, c'est tu t'es peut-être de reprendre, alors, quoi. Moitié, ouais. Bah, il reste le tigre encore, qui sera encore en hiver. Mais voilà. Ouais, il voit où... Ben, faut qu'on aille voir ta maman. Oui, ben oui. Je crois qu'on a passé la visite médicale, c'est le premier truc que je vais faire. Bah là, vous êtes à Kosaten Shiro, donc encore un peu loin, mais... Ah oui, on est... D'accord, je suis con, on n'est pas... on est rentré dans les terres grues, ok. Ouais, c'est la première grosse ville que vous avez croisée quand vous rentrez dans les terres... Du coup, on continue notre route, en fait. Alors non, parce que le prochain scénario se passe ici, mais du coup... Il va se passer quelque chose ici, ok, d'accord. Alors, peut-être pas, mais... Mais en tout cas, on va avoir des informations ici. Oui. Ok, très voilà. Bien. Si, on va s'arrêter là pour ce soir, je vais pas continuer, mais... voilà. Vous arrivez ici. Et par contre, vous allez voir, en fait, des malades, par contre. Ah. Et c'est ouais. Pas bon. D'accord. Bon, vous imaginez des malades de la peste, quoi, c'est à peu près la même. Hein. Ok, ouais. D'accord. Donc, pas terrible. Ouais, ça tue beaucoup les petits gens, les mines et états. Les samouraïs sont un peu plus résistants, mais bon. Ils sont mieux nourris, en fait. Ouais, mais ils sont pas. Mais il y a quand même des morts parmi les samouraïs, quoi. Je suppose qu'il y a pas mal d'assaïnas dans ce cas-là. Oui, évidemment, toute une, toute l'activité de la ville est un peu orientée sur la découverte des cas et le soin des gens. Voilà, mais. Du coup, je posais la question. Ça se répand dans tout l'empire ou on la trouve cette maladie? Oui, ça se répand. A priori, ça viendrait. Ça vient des. En fait, ils vont vous dire que ça vient de ça. Comment dire? C'est arrivé avec la relève du régiment de la ville de Dedoji. C'est un régiment qui était sur les au front au sud face aux armées crabes. Et effectivement, démobilisés pour être soignés chez nous et du coup, nous on se retrouve avec cette maladie qui a répand énormément, donc notre ville est un gros foyer. Ils étaient donc au niveau du clan du Scorpion, là pas tout à fait, parce que les armées grues sont restées sur le territoire du clan de la grue, mais face au lion, face au crabe, je vais y arriver.
Et les armes crabes ont les mêmes symptômes? On sait pas. Allez les voir, peut-être que vous aurez l'information, mais je suis pas sûr qu'ils vous accueillent à bras ouverts. Oui. À tête sous bois ouvert, probablement, mais. Pas de conflit avec le clan du loup. Ça reste. Tant que la menace crabe est forte. Ça reste courtois. Ça reste courtois, effectivement. Mais certains redoutent que l'armée Lyon se débrouille pour manœuvrer et force les crabes à se concentrer sur nous. Ce qui serait particulièrement déshonorable pour le clan du Lion, mais bon. Je ne veux pas croire à ces règles, mais bon. Cela pourrait quand même arriver par infortune. Du coup, Komori, tu accouches dans 4 mois. Ah, oui. Un peu moins, ouais. Ah oui, ça commence à être chaud. Parce qu'en fait, on est au tout début du mois du bœuf, donc t'as le mois du bœuf qui remplit, le mois du tigre, et tu accouches... Après, t'as le mois du lièvre, qui est le premier mois du printemps, et t'accouches début du dragon. Ah oui. Donc, ouais, dans 3 mois, en fait. Tu vas accoucher sous les auspices de la lune. Onotangu. Ça veut dire surtout qu'elle en a 6 mois, ça commence à être chaud, en fait. Hein. C'est ça. À mon avis, tu vas accoucher chez Kitsune. Et c'est une possibilité, parce que je pourrais pas forcément aller plus loin. Il y a des chances. Oui, alors chez les Kitsune, vous n'êtes pas encore. Hein. Bah, je vais peut-être chez les grues, alors. Chez ma mère, ça sera peut-être bien. Là, vraiment, vous avez les cartes en main. Où vous alliez, j'ai des trucs pour vous. Alors après, il y a des trucs qui sont plus intéressants que d'autres, évidemment. Plus développés que d'autres, mais voilà. Mais du coup... On a des nouvelles de Shiryu Miyamoto ou pas, quand on arrive Pas du tout. Pas du tout, ok. Pas du tout. Pour l'instant, ça... Ouais, c'est l'hiver. Je vais... Il faut que je réfléchisse à ce qui se passe là-bas, moi. C'est ça, le truc. Puis, l'attaque de licorne sur les versants montagneux en plein hiver, ça va être joyeux. Oui, de toute façon... Oui. La cavalerie dans les montagnes, ça marche pas de toute façon. Oui, mais voilà. Les licornes, ils vont se trouver bien combons. Mais mec, on doit attaquer le clan du dragon, mais on sait pas comment. Vous avez le droit, légitimement, de vous demander qui donne les conseils d'art de la guerre à l'empereur. Hein. Mais, oui, voilà. Oui, il y a un problème là. Ouais, il y a un petit problème, ouais. Mais bon, il y a un léger problème. Et je sais pas ce qu'il a contre les dragons, mais... Je vais couper les enregistrements, du coup. Je vous remercie pour l'épisode. Je vous dis dans 15 jours pour la continuation de cette partie. Et puis dans la semaine prochaine pour la table crabe. Voilà, gros bisous à vous. Tout ça, abonnez-vous. Au revoir. Il demande ce qu'il a contre les dragons. Moi, je me demande ce qu'il a contre...